Alors, au fait, je voulais passer un conseil, ne pas suivre une polonaise sur la boisson. Je vous aurais prévenu. T'as un petit joueur, c'est pour ça. J'ai entendu un bruit. Toujours pas de maison en vue. Ouais, mais bon, une fille qui dit qu'une roumaine tient bien l'alcool. Essaye de suivre un belge. On va rigoler. Oh putain, t'es sérieux, c'est le bout de la route. Merde. Continuer un peu plus loin pour voir, on sait jamais. Bon, ben je crois qu'on a fait toute cette route pour rien. Ah, on a fait toute cette route pour rien. Hein? Comment je fais pour sprinter? Et t'as pas la patate? Petit 5 litres de bière et 1 litre de vodka, à partir de 2 heures du mat, j'ai fini sur un cul sec de vase de litres. Je suis belge. T'es pas un vrai belge, patate, c'est pas vrai. Ah, on peut tourner ici, je viens de voir. Ok, bon bah alors notre route n'est pas finie, tant mieux. En fait, j'ai trouvé un bouton pour. Enfin, j'ai trouvé une astuce pour mettre en marche auto sans utiliser un poids. Et là du coup là j'ai du coup je mets le poids sur shift pour qu'il avance. À Bruxelles. Je vais faire mieux là. Tu peux mieux faire. Faut habiter dans les côtés campagne. Les campagnards, ils tiennent mieux. Oh. Bon. Encore un bout de route. On va continuer par là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'arbres. Putain, j'ai eu chaud. Oh, une étoile. Étoile du berger là-bas. Alors, bon, alors on a voulu chercher la campagne, mais là on a pire que la campagne, on a juste la forêt quoi. Putain. Mais bordel, si je voulais pas aller en ville, c'est mon droit, non? Le problème, c'est que si j'ai peur d'aller au bout de la map, et quand on va au bout de la map, en fait, c'est des radiations, et du coup, on meurt. Dans le RP1, hein, je dis ça.
Bon, au moins on aurait essayé d'aller jusqu'au bout de la route, hein. On sait que sur cette route-là, il n'y a rien. On se fera pas avoir la prochaine fois, quoi. Et je viens de voir que j'ai atteint les 10 000 vues au fait sur mon Twitch. Je suis à 10 000 vues là, en tout. GG moi! Patate volante. Ah, on a enfin rejoint une route. Allez. Bon, par contre, on va remettre de l'énergie un peu à notre personnage. Ça, là, je veux voir si je perds du sang là, c'est chiant. C'est chiant ce bug là. Un petit bug graphique qui dit que je perds tout le temps du sang en fait. C'est un peu chiant. Prochainement les 100 000. D'accord, peut-être à toutes. Par contre, pas très stable au niveau viewer, faut y remédier. C'est-à-dire, faut y remédier. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Les gens y restent ou y restent pas, hein. Oh, les gars, il va tomber dans le même piège que moi, tant pis. Là, je suis assez de viewers. Là, tu les attaches, faut stream à des heures où les gens sont levés. Parce que là, tu crois que les gens ils sont pas levés là? T'inquiète pas, hein. Ça va venir au fur et à mesure. Après, je l'ai déjà dit, je peux pas faire des streams avec des heures fixes. Je peux pas me le permettre. À part si j'ai envie de ça, mais bon, j'ai envie pas pour l'instant donc. Donc je peux pas faire des heures fixes quoi. Bah quoi, 8h du mat. 8h du mat quand même. Moi j'étais réveillé depuis 5h du mat quand même. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir commencer. J'ai pris mon temps, j'ai pris mon café, j'ai... Bah voilà. En plus, il a même pas neigé. D'accord. Les gars, il est plus dégoûté pour ça parce qu'il peut pas aller. Du coup, il peut pas. Il doit aller à l'école. Non, mais dans le jeu là, il est un peu trop tard pour qu'il neige. Dimanche game. Et alors? Je sais qu'on est dimanche. Oui, je sais, on vient de croiser quelqu'un, mais j'ai pas envie de m'arrêter pour lui. T'inquiète pas, hein. Hier, par exemple, merci à toi, je fais couplay et je vais peut-être pas donner. Je disais quoi déjà?
Donc je disais quoi alors? Bah, y a pas besoin d'aller en cours. Et repatate, ouais. Faut que tu boives beaucoup d'eau. What? Qu'est-ce que tu racontes? Ah d'ailleurs, en parlant d'eau, je bois un peu de eau moi aussi. Whoop. Retourne sur la route, merci. Mais de qu'est-ce que tu parles? Mais de quoi tu parles, Fululu? Ah, je te comprends pas. Ah, tu parles de patate. Ok. Bon, par contre, le gars, quand même, il peut sprinter pendant longtemps. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais parce qu'il sprint là. Moi perso, à chaque fois les pizzas de hier, à chaque fois j'ai mangé aussi en hein, perso. Je trouve pas ça trop. Je trouve pas ça crado hein, tant qu'il était pas à l'air libre. Tu mets genre un bout de tissu dessus, c'est bon. Genre tu sais, hein, tu couvres avec ça pour pas que les mouches aillent dessus, et puis c'est bon. Ah, y a un pont déjà, donc on va bientôt être pas loin d'une ville. Tiens, d'ailleurs, il y a un bâtiment là. Ok. Fouillons ce bâtiment. Bunjing Farms. La ferme de Bunjing. En effet, c'est une belle ferme. Bah ouais, bah justement, si elle est froide, c'est encore mieux. Moi, j'aime bien quand c'est froid. Après qu'elle ait été cuite. Genre, tu sais, t'as le... Bon, après, c'est mes goûts à moi. Mes goûts à moi sont merdiques. Y'a rien dedans. Mais on peut construire des pièges de lapins. Donc je vais arrêter de sprinter un peu pour garder un peu plus de stamina quand même. Voilà. Four micro-ondes, trop la flemme, wesh. Il y a tellement de gars qui a de tellement de monde qu'il y a des arcs. Yeah.
Putain, je vois rien. Hein. J'ai l'impression que les nuits sont beaucoup plus longues que les journées. C'est un peu chiant. Je vais manger le dernier. Je crois qu'il est parti l'autre avec son arc. On peut toujours pas l'utiliser ça. Ah, des zombies buggés. Ça fait longtemps. C'est le serveur qui commence à être trop rempli. Ici je trouverai rien je crois, à part sur les tables mais des choses mais... Un coffre ici. Il y a une voiture qui vient de passer à côté putain. On dirait la taille de votre pénis en moins 50% sur les flux de débardeur code suisse. What? Et rien. Ah putain, j'ai pas de hache, c'est dommage. Ni de couteau. Parce que là, j'aurais pu avoir de la nourriture gratuite. Pour agrandir la taille des nichons. Genre, Fululu est intéressé par ça en fait. Je m'en fous d'agrandir la taille du pays. Moi, je veux agrandir mes nichons, moi. Voilà, il y a trop de choses à fouiller là. Je vois rien non plus, hein, vous inquiétez pas. Ok, il y avait rien du tout en fait. Peut-être quelque chose dedans. Hein. Allez, rentre. Bah, il veut pas. Tant pis. Bon. Sur quoi il tire? Ça c'est un bug de son, ou c'est quelqu'un qui tire très vite? C'est quelqu'un qui tire très vite. Pas où il est. Oula.
Vous entrez dans Pleasant Valley. Bon, ok. Je crois qu'on peut passer vers derrière, non? Non, je crois pas. On peut pas passer par derrière. Et fais-moi trouver une arme, s'il te plaît. Pleasant Valley, la ville où on peut blaguer. Quelle plaisanterie! Oh 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 oh! M'intrigue tout le temps cette fleur bleue là. Ah! Une pied de biche. Au moins quelque chose de quoi pour me défendre. Bon, même si ça aurait été mieux une hache, mais bon. Salut, ça va? Je te gêne pas trop? Je sais pas pourquoi je prends ça. Je sais même pas à quoi ça va me servir, je vais. Allez, c'est bon, il est mort. Foiré. Voilà. Bon, lui il est bugué. Mais d'où tu m'as vu de si loin? What? Allez, bug. T'as raison, bug. Est-ce que tu te prends dans la gueule, mon grand? Oh! Ah! Voilà. Bon, on va se réparer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une hachette, non? Pour me permettre de. Ah oui, une hachette. Ça pourrait me permettre de comment dire, de trancher les biches pour pouvoir me faire de la nourriture, c'est cool. Marteau. Et j'ai mis où? J'ai mis dans mon cul. Non mais il est où le marteau? Ah, il est là. Et puis je crois que ça va servir à rien. Grandement à rien. C'est qui mon... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pipe aussi? Putain. Ouais, la pipe c'est... The pipe c'est un tuyau, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà la traduction. Je vais le casser.
qu'il n'y a rien dedans. On a bien voulu monter en haut. Bon. Oh, et les caisses qui sont trop hautes, quoi. Ah non. Ok, mais par contre, je peux même pas récupérer le bois. Alors. Je vais ouvrir ça. Un pantalon de camo blanc. Bah, brown, je crois que c'était pas blanc. Salut! Bonjour, comment allez-vous? Je crois que je vais mourir, j'ai même plus de fin ni rien là, j'arrive. Ah non, c'est bon, il y a une ville. Oh! Un commissariat en plus. Faudrait que je referme la porte derrière moi, mais. Ah non, c'est bon, les zombies sont buggés. Ils sont buggés! Coucou, zombies buggés! Qu'il y a quelqu'un avec moi dans le truc. Là, il y a trop de pas, il y a trop de pas. C'est perturbant. Non, il y aura jamais rien dans ces trucs là. Oh wow. Enfin. Ok. On peut aller au sous-sol. Oh. Ok, rien ici. Ok. Putain, y'a rien, y'a rien. Il était vidé le commissariat ou quoi? N'espérant qu'il est pas tout vidé quand même. Ah, une branche. Une branche qui ne sert à rien. J'ai pas envie de tout fouiller non plus. J'ai plutôt besoin de nourriture que d'armes. Normalement, il y a des caisses en bois ici. Gagné. Qu'il y ait de la nourriture dedans. Il n'y a pas de nourriture, putain. Je lag un peu. Ils sont pas là.
J'ai besoin de nourriture. J'ai des piges dans le fosse. What? Qu'est-ce que vous racontez? Pouah, ce bordel. Attendez, je me gratte le dos. Ta gueule. Oh. On ne mourra pas aujourd'hui. Ou si on meurt, ce sera à cause des zombies. Je suis sûr qu'on trouve de la nourriture ici. Allez. Alors. Ah. Ok. Le réflexe de taper quand tu vois un zombie, tu sais. Bordel de cul. Ah, la nourriture ici. Alors attendez, ça je le fous dehors. Dit dehors, voilà. J'ai besoin d'eau aussi. Oh bah d'accord. Une pied de biche ici, deux pieds de biche. Sachant que ma pied de biche à moi elle est en bon état donc ça va. Oh, une arme. Je sais pas si on peut la remplacer. Oh putain. Si j'ai des munitions en plus. Bon allez, je vais la remplacer par la lampe torche, tant pis. Connerie, Voilà, recharge ça mon grand, voilà. On va tout manger. Alors tu vois Fulu qui a beaucoup plus de drop quand même. Bon par contre j'ai plus de... Là il y a tellement de crowbars quoi. Ils sont lâchés ici. Salut, ça va? Oh putain. Putain ils sont foirés, ils ont trouvé une voiture. Alors. Bon, tu ramasses ça s'il te plaît? Il est juste à côté de toi là. Voilà. Voilà, je suis à 100% de nourriture, donc je vais récupérer ma vie tout doucement. Attends, il me faudrait de l'eau en fait. Oh, un sac. Yeah, fuck yeah! Enfin un sac. Faudra que j'aille récupérer ma lampe torche. Parce que je vais en avoir besoin. Je
Je suis pas très réveillé, hein. Je suis désolé si je commente pas trop. Je viens de le remarquer un peu. Go buter le premier mec que tu vois. T'inquiète pas, mais il faut pas qu'il soit deux. Il faudrait qu'il soit tout seul minimum, quoi. Parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Heureusement que c'est parce qu'il me restait une balle. Trop tard. Bon, allez, casse-toi, toi. Tu me gênes. Oh putain, il y a trop de zombies. Trop de zombies. Merde, je sais plus où j'ai laissé déjà la... Oh putain, je suis tellement mauvais. Je sais plus où j'ai laissé la lampe torche. Oh! Vide, mais c'est pas grave, je pourrais la remplir quelque part. Mais lâchez-moi, putain! Trop de zombies, tue le zombie. Putain. Fais vite, y'a rien. Non, y'a rien. Ouais. Bon, allez, on commence à s'accroupir, on arrête nos conneries. Salut, j'aimerais bien avoir la petite canne que t'étais à côté de toi. Bon, d'accord, tu veux pas. Je l'aurai quand même. Que tu voyais ou non. Ah bah cassé, d'accord. La voiture en mode normal qui est dedans le magasin. Ah, une hache. C'est beaucoup mieux une hache qu'une crowbar. Parce qu'une hache, ça fait les deux. Voilà, une hache ça fait crowbar et hachette en même temps, donc il y a un flingue juste à côté. Là. Meurs. On va le prendre, on met dans notre sac normalement. Ça se met dans notre sac, c'est bon. Ouais. Bah, il a moins d'utilisation, mais bon, si notre flingue s'enraye, ce serait bien de trouver des munitions. C'est tellement bon les magasins. C'est quoi ça? Ah, un turbo. Et off-road light. Ah. Bon, mon sac est loin d'être plein déjà, c'est cool. Bah alors prends-le. Attends, j'ai deux turbos, tu veux dire par là? Non, j'ai qu'un seul. Ah, c'est juste qu'il avait pas pris, ok. Il y a quelqu'un qui a un arc là. Ça m'intéresse. Oh, fais gaffe. Ouais, je te vois faire. Hein. On va pas le prendre. J'en ai déjà une. Ah, une eau stagnante. Va falloir aller dehors après pour se faire un feu. Non, tape dans le bois, voilà. Ici. Hi. Keep away, please. Keep away, please. Yeah, no. J'ai dit, I said I know. Oui. Ah, alors, ça marche. J'apprends à l'école, je suis de la Suisse. Ah, de la Suisse, ok. Oui, à Bâle.
Ok, je connais. Alors, salut. Don't c'est... worry. Ouais. Pas de soucis. Marrant d'entendre un anglais qui essaie de parler français. Ici, il y a des... pour manger, quelle chance? Oui, oui, on regarde dans les magasins. Ah, ok. Bon, je l'attaque pas parce que il essaye de parler français. Sorry, what you said? Je cherche. Non, je cherche un vêtement pour faire un arc. Ah, je savais pas. Bon, attends, je vais en tuer un. Là, si tu veux prendre les haches, vas-y, hein. De quoi? Le bandage. Ah, bah merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Bon, c'est mieux de pouvoir s'entraîner. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une branche. T'as de la nourriture ici, dans les toilettes. Dans les WC. T'as de la nourriture là. Rien. J'ai de quoi largement à quoi. Largement de quoi manger. Eau stagnante. Comme ça qu'on peut... J'en reçois pas. Bien, c'est ça. Ouais, j'en reçois pas du tout. Et merci. Pas de problème. Là, il me construit un arc. Bon, on va enfin pouvoir se faire un arc. Alors, c'est parti pour le craft. On va faire quelques bouts de stick. Alors, je sais pas si j'ai découvert ici. Non, j'ai pas découvert ici. Scrap of cloth, voilà, j'en mets l'un là. Et un bout de stick. Voilà, ça fait un make a shift bow, donc un arc. Voilà. Et donc je vais le remplacer par la hachette ou la hachette, peut-être que je la mets de côté. Non, non, elle me coûtera beaucoup trop en place. De toute façon, j'ai une hache. Une hache qui a 3700, mais largement bien. Alors, ce qu'on va faire, on va créer plein de boutiques. Allô, c'est qui ça? Who is outside? Where is draußen? C'est un anglais, allemand, français. Merci à toi, Takoli Gaming, de t'être abonné.
sortant de l'isolement. Ya ya, comme un clair. Ya ya. Wolfs reste la fouque. Ça a dit le chasse roof. Allez. Allez, on va faire des arcs. Enfin, des flèches. Moi, je trouve logique, moi, de faire ça. Snell, ça, Snell. Mais je trouve ça logique, les crafts. Après, bon, dans la réalité, ça demande pas si peu de ressources, mais je les trouve logique pour l'instant, les crafts. On va se faire plein de, voilà, plein de flèches. Vous voyez comme les flèches ça coûte pas du tout en poids, donc je vais me lâcher dessus. Comme on a plein de planches ici. Oh, il nous manque vraiment juste de la, comment dire, de la flotte quoi, en fait. Mais bon, la flotte, je sais comment faire pour s'en faire, y a pas de soucis. Pour l'instant, je suis déshydraté, mais ne vous inquiétez pas. Je saurai comment faire. J'ai de l'eau stagnante, donc j'ai de quoi faire. Alors, pour l'instant, je veux être tranquille au niveau munitions. Oui, tu vas me dire aussi, dans la réalité, il n'y a pas de zombies. Oui, c'est sûr. Voilà. Au niveau craft là, on est plutôt bon là. Enfin stuff surtout. Voilà, une centaine de flèches ça suffira. Parfait. Alors, on va manger un peu. Parce que je sais que je suis en manque de... Voilà. Il me faudra d'autres eaux stagnantes. Ou des bouteilles vides au pire que je remplirai avec... avec l'eau de... L'eau de puits ou je ne sais pas. Sans six flèches. Alors attendez, j'essaie de... Ah voilà, ça y est. Je suis armé d'une flèche. Hop, je passe l'arc. Dès que je fais ça, donc... Ok. Je prends connaissance des touches, hein, excusez-moi. Parce que j'ai jamais eu très souvent l'arc, j'ai eu qu'une fois. Et ça va faire la deuxième fois que je l'ai. Et salut Persidak. Donc bienvenue au nouveau, hein. Good job. And sorry for this zombie. You want a budget? So cloth? It's good. Ok. Ah, la voilà ma torche. J'ai retrouvé ma torche. Donc j'ai retrouvé ce que je voulais. Nickel. Est-ce qu'on va se faire... avoir besoin de d'eau, hein. Faut que je retrouve quelques bouteilles d'eau encore. Et quelques nourritures, donc il va falloir chasser.
Attendant qu'on a un arc. Allez. Ouais, nickel. Bon, ça va, sachant qu'on peut récupérer les flèches normalement. Ah non, on peut pas de suite, c'est un bug. Ok. Normalement, on peut les récupérer les flèches, mais je sais pas si on peut les récupérer sur les corps en fait. C'est ça que je me demande. Genre si je tire par terre. Ok, je vais la récupérer. Ok, elle a disparu. Elle a dû se désintégrer. Oh, one shot. Headshot. Non, meurs. À côté. Ok, c'est bon, je commence à m'y faire avec la visée. Bon, par contre, il va falloir que je refasse des flèches. Et salut, monsieur Apopich. Donc, bienvenue et bonjour à tous les nouveaux. Et bonjour à tous les habitués. Bon, je dois trouver... Je recharge une flèche au cas où. Nickel. Au stagnante, encore mieux. Là je bug un peu. Mon PC ne tient pas trop. Sûrement parce qu'il y a trop de joueurs sur les côtés ou je ne sais pas. Peut-être une voiture par là. Pour le viso. Oui, oui, je sais que j'ai un point sur le viseur, mais c'est par rapport à la distance que je parlais. Pour quand je tire par rapport à la distance de la flèche, parce qu'elle retombe au bout d'un moment. Et ça va pas tout droit, elle est soumise à la gravité quand même, la flèche. Je propose qu'on fouille cet appartement, enfin cet immeuble d'appartement. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux mettre à la place de quoi? Ça, ça pèse que dalle à la place de la lampe torche. Il faut surtout de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et de la nourriture aussi, ce serait bien. Mais... C'est moi ou il y a une machette là? Il y a une putain de machette ici. Putain, et même si je fais avec ça, je sais pas combien elle pèse, mais tant pis. J'ai une hache, c'est très bien. Je crois qu'on va aller dehors. Je crois qu'on va aller à la forêt et couper quelques bois et. Rendre de l'eau, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Parce qu'il me faut absolument de l'eau. Là, je suis déshydraté complètement, je perds de la vie. Il me faut de l'eau. Tant que j'ai ce qu'il me faut. J'ai 3 bouteilles quand même, de toute façon, à purifier. J'aurais bien aimé en avoir plus. J'ai une bouteille vide au cas où. Si je trouve quelque chose pour la remplir. On fouillera la ville plus tard, peut-être. La camionnette, tu l'as oublié. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas une camionnette près là. Là, on doit plutôt survivre. Quelqu'un qui tire.
C'est pas celui qui a cette balle. Yeah, il pleuvait tout le temps, c'est ça. Mais le temps est aléatoire, c'est ça qui est cool. Oh. Non, on peut pas. Alors, ça c'est allumé, c'est allumable avec quoi? Quand tu as du bois et du merde, charcoal. Comment ça s'appelle charcoal? Ah merde, comment on dit ça en français charcoal? Ah j'ai oublié. Charcoal. Putain, je sais ce que c'est. Hein. Attendez. Je sais ce que c'est. J'ai juste oublié le nom en français. C'est les résidus de bois là, merde, les. Charbon, voilà, du charbon. Putain, complètement oublié. Je sais pas pourquoi je vide. Alors, regardez, celle-ci est magnifique. Tu n'as trouvé zéro ticket. Voilà. Ils aiment bien me troller. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai rien compris. S'il y en a qui comprennent ça, explique-moi. Sachant que oui, je suis un pigeon, j'ai pris la version premium, j'en ai rien à foutre. Je crois que précisément c'est charbon de bois. Non, c'est du charbon, tout simplement. You have been trade by your game. Ah mais j'aime bien parce que ce jeu, il... Et parce qu'on est, on peut trouver des tickets dans ce jeu. Mais je crois qu'ils ont pas totalement instauré les tickets. Parce que à chaque fois qu'on en trouve, ça peut bugger. Ah, du bois. On va couper cet arbre là. Oui, on va couper cet arbre là. Mais c'est impossible. Si, on va couper cet arbre là. Le gars il est motivé, hein. Nickel. Alors, j'ai reçu 4 bûches. Normalement. Bon, à moins qu'elles soient par terre. Ne vous inquiétez pas, hein, je perds pas de sang. Hein, c'est. Ah, allez, voilà. Alors. Alors, attendez. On va faire ça bien. On va mettre ici. J'ai mis dans mon... Ah oui, j'ai mis dans mon sac à dos, ok. Et j'ai de woodblock sur moi, ok. On va se mettre dans un endroit un peu plus safe. Genre en haut de la montagne. Google Trad. Oui, les airdrops, c'est des largages de bouffe et etc. Bouffe. Pourquoi c'est une barre de vie ça? C'est une maison ça? Eh, hey, c'est la maison de quelqu'un! Bon, il a que de la merde. Je peux le détruire? Ah ouais, je peux le détruire. Je peux le faire. Ah, il y a des maisons ici aussi. On va se foutre un peu plus loin pour faire notre feu de camp tranquillement. Oh man, I'm friendly. Don't shoot. Ok, thanks. Parce qu'en fait j'ai 35% de points de vie les gars, donc j'ai pas envie de... de, voyez-vous, de me faire shooter.
Donc tous ceux que je croise pour l'instant, j'ai envie plutôt de les embrasser que de les shooter. Donc si vous voyez rien, vous me le dites, hein, je mets un peu plus de gamma sur OBS. Bon, on va se poser ici. Alors, on est entouré ici. Peut-être un peu plus par là. Hop. Alors. Putain, je vois rien. Alors attendez. Ah, il est là, ok. Si je mets les bouts de bois dedans. Non, je peux pas. Ok, je suis obligé d'utiliser mon fleur. Ok, attendez. Je crois savoir en fait. Faut que je mette le fleur dedans, voilà. J'ai une hit. Ah. Ça a pas marché. Tout à l'heure ça avait fonctionné très bien et tout. Putain! Pas au point leur truc, hein. Que c'est pas au point. Alors attendez. J'avais fait comme ça, j'avais fait init. Allez! Yeah! J'appuie sur eux, je clique, j'appuie sur eux, j'appuie sur tout. T'inquiète pas, hein, je sais, j'ai déjà utilisé tout à l'heure. C'est que là, il veut pas. Alors, est-ce qu'il faut que j'enlève le bout de bois dedans? Ouais, je mets ça dedans. En plus, c'est ma seule chance d'en faire un, hein. Je tiens à le préciser. Donc, j'ai pas envie de le rater, quoi. Et je peux même pas le poser là. Peut-être que c'est l'endroit qui va pas. On va recouper un peu de bois. Merde. C'est vrai que quand on clique sans arrêt. De ma gueule que deux. Ah, alors on va en créer un autre, voilà. On reprend celui-là. Bon, là notre 5 est plein de chez plein, hein. Alors peut-être qu'il faut utiliser notre campfire peut-être plus proche du la route, je ne sais pas. La musique qui met dans l'ambiance, hein, on est tous contents. Alors, on va se foutre ici, hein. Alors.
T'as pas la seule? Allez! Bon, c'est bugué là ou quoi? Savoir qui va pas? Alors, couper du bois, ça demande beaucoup de stamina. Hein. Je viens de le remarquer là. Bah oui, mais place-le! Bon. Peut-être un emplacement qui va pas, je sais pas. Et si je fais ça sur la route? Hein? Bois de l'eau, non? Oui, mais c'est de l'estagnante que j'essaye. Que j'ai, et j'essaye d'avoir de l'eau. De l'eau purifiée. Salut, zombie, ça va? Ne me dis pas qu'ils me suivent. Et chier! Vous me pétez les couilles! En plus, je vois même pas. Merde. Je me sers d'OBS pour voir un peu plus clair. Feu de camp ici. À mon avis, c'est peut-être mon. Je vais essayer de me reconnecter au serveur. On va voir. Puis au pire, tant pis hein, si j'y arrive pas. De toute façon, c'est soit ça, soit je meurs. Donc, à mon avis, c'est. Peut-être mon personnage qui bug. C'est mon personnage qui bug à mon avis, donc on va voir. Vu que ça fait trop longtemps que je suis connecté, ça peut être possible. Tout à l'heure ça avait marché très très bien, donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. Allez, rejoins, hop. Play. Parce qu'en fait, j'aimerais bien boire de l'eau, mais j'aimerais plutôt boire de l'eau purifiée. Ce qui me donnerait 40% d'hydratation et au moins je serais tranquille, quoi. Alors. Ce jeu est beaucoup trop sombre. Ok, déjà. Alors. Donc ce que j'avais fait l'autre fois, c'était ça. J'avais fait ça, j'avais fait init. J'ai cru, putain. Quand j'ai vu le truc disparaître, j'ai fait « Oh ». Attendez. Donc. Je vais essayer déjà d'allumer le truc. Tout seul. En mode « Hop ». Il veut même pas. Que ce soit le clic ou le « E », il veut pas. On a vu le serveur a besoin de redémarrer. Déjà qu'on a vu des zombies en chier, alors. Can you help me really quickly? I just started streaming off on the computer and need it checked. Non, mais il fait pas de la pub là. Il fait pas de la pub hein, il demande de l'aide, les gars. Et bon, vu comment il le demande, j'ai pas envie. Oh, touché à la jambe. Oh, en pleine tête.
Quelqu'un a un bon film? Oui, Les Évadés, si tu veux. Ça, c'est un très bon film. Ou Forrest Gump. Oh là là. Bon, on va manger déjà. On mange, c'est bien. Ouais, mais non. Fonctionne pas trop ça. Qu'est-ce qu'il demande à ça? Random code. Et c'est juste ce qu'on peut acheter pour l'instant? Ah, d'accord. Ça. Oh. 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 Je crois qu'on va arrêter la chance d'un ici. On va se remettre à côté du camp. Pour quand on voudra revenir ici. Pour popper ici et être à côté d'un campfire au moins. On va passer sur League of Legends. Hein. Vous me faites chier là, vous me faites exprès. Oh, la troisième flèche qui passe. Bon, alors il m'a dit qu'il fallait faire comme ça pour avoir des flèches, mais. J'en reçois pas. Ailleurs. Bon bah on va se foutre ici hein et on redémarre. Ça passera pas. Putain, la connexion trop lente. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je veux juste pouvoir m'en aller, me déconnecter, pouvoir jouer. Laissez-moi m'en aller. Tu sais, GG, il est pas de la génération. Attends, j'ai demandé un bon film, mais ben. Sortant de l'Antiquité. Mais genre, il est pas si vieux, Les Évadés, tout ça. Si tu veux un bon film, sinon il y a. Bon, bah si tu veux un film récent, il y a. Il y a Odd Thomas, si tu veux. ODD Thomas. Donc Thomas, comme tu écris Thomas avec un S à la fin. Ah, c'est bon, je vais me mettre ici. Je me mets dans le sens où je veux aller pour après. Hop. Voilà, comme ça au moins je suis stuffé, certes, j'ai pas d'eau. Je pourrais me mettre d'hydratation ou pire en buvant l'eau stagnante, mais j'aimerais vraiment qu'il soit purifié, donc je préfère me déconnecter et attendre que le serveur redémarre tout seul. Donc voilà. Let it go, let it go. Voilà. Donc c'est pas grave, on recommencera. On recommencera demain matin ou peut-être ce soir, je ne sais pas encore. On va passer sur League of Legends. Donc pour ceux que ça fait chier de passer à League of Legends, je suis désolé. Ils se reconnaîtront. Je vais redémarrer le live pour pouvoir faire en fait, pour ceux qui sont nouveaux dans mes streams, je vais redémarrer le live pour pouvoir faire la rediff sur YouTube. Et comme ça, pour ceux qui s'emmerdent le soir, bah, s'ils veulent voir le rediff du live à partir du début, ce que j'ai accompli en attendant et tout ça, vous pouvez aller le voir. Alors là, je suis plutôt bien stuffé, là, je suis plutôt bien. Il me manque juste l'hydratation, il faudrait vraiment que j'arrive à pouvoir utiliser ce campfire. Le seul problème, c'est que là, il fonctionnait pas. Donc après, à mon avis, c'est le serveur qui buguait un peu parce que bon, ça fait 10 heures qu'il est allumé.
J'ai une chaîne YouTube, oui, oui. Elle est dans la description. Il faut lire la description de temps en temps. Voilà. pour être Thomas, tu parles patate? Parce que Thomas, oui, il est très très bien comme film. Hein. Tu vas pleurer à la fin, je te le dis. Non, je déconne. Ou peut-être que... Enfin bref. Je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui veulent continuer pour League of Legends, qui restent sur le stream, je vais redémarrer le stream à l'instant même. Sinon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, ma chaîne Twitter, ma chaîne Facebook. J'ai tout ce qu'il faut pour que vous soyez au courant des prochains lives et des vidéos, etc. Donc, si vous me demandez quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort, je vous en pousse une. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour ceux qui partent et à tout de suite pour ceux qui restent. Voilà, allez. Et au plaisir.